qu'il y a 3 Russes, 3 Chinois, 3 Japonais et ainsi de suite, et qu'il faut être derrière ou devant. Eh bien, Patrice Casimir, qui avait eu des saisons précédentes un peu perturbées par une fragilité musculaire, a aujourd'hui acquis une solidité qui fait qu'il est devenu le leader incontesté sur le concours général de la gym française. Un garçon qui, effectivement, a 23 ans, présente un gabarit d'une élégance rare et d'une, j'allais dire, d'une amplitude, d'une souplesse naturelle que l'on retrouve que chez des garçons qui viennent des Antilles ou des pays d'outre-mer. Casimir, dont le frère est actuellement également leader du championnat de France junior, Eric Casimir. Regardons. Oh, entrée formidable. En planche libre, parfaitement horizontale, parfaitement à la hauteur des anneaux. Ah oui. Soleil bras tendu. Deux planches réussies. Bras tendu. Belle maîtrise pour l'instant. Ça ne bouge pas. Voilà, homme à corps tendu, c'est-à-dire un salto avant corps tendu dans les anneaux qu'il bloque à la croix équerre. Une bascule équerre, difficulté de base. Attention l'équilibre, ah là 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 là. C'est un peu difficile cette montée. Oui, 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 oui. Léger appui dans les cordes. Voilà, soleil passé. Et ici, double arrière tendu avec une vrille. Bien Casimir. Très bien. Très très bien. Le ralenti va nous démontrer surtout que je ne sais pas si Jean-Maurice Hogg va nous montrer l'enchaînement des deux planches. Ça, ça m'a bien plu parce qu'elles étaient raides. Hein? Voilà, les deux éléments de force placés au début du mouvement, car bien sûr, ce sont les éléments qui puisent le plus sur les réserves. Et là, là on revoit la croix équerre. Alors, c'est en remontant en équilibre, effectivement, lors de son beau rétablissement en force. Et c'est ensuite qu'il a un peu faibli ici. Et là, vous voyez que les bras s'écartent et il n'a pas la puissance voulue. Jean-Maurice, on revient tout de suite.